Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un pas à pas, mais un accéléré. On va faire un plateau en résine, mais en résine alimentaire. C'est-à-dire que moi, là, je le fais plutôt sur une planche. Voilà. En fait, c'est une planche pour charcuterie, fromage. Mais faut pas couper dessus quand même, parce que ça abîmerait la résine avec le couteau à force. Mais en fait, on va utiliser la résine pour contact alimentaire qui me vient de la boutique Résine Pro. Donc, je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Sinon, vous la trouvez sur le site Résine Pro. J'ai déjà fait un tuto avec. On a fait une plage, voilà, mer, plage, voilà. Donc là, je voulais le faire dans l'esprit zen. Donc, on va faire des poissons japonais ou chinois, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est des carpes ou, enfin, vous comprendrez. On va essayer d'y glisser aussi des feuilles comme ça. Donc ça vient de chez Action. Des cailloux aussi, mais alors ça va être un peu, il va falloir les trier parce que c'est pas bien haut. Voilà. On va se servir de résine UV pour faire le montage des autocollants de poisson, parce qu'en fait les poissons c'est ça. Voilà. Et on vient les poser à la suite en plusieurs couches de résine. Donc moi je l'ai fait à la résine UV pour aller plus vite, parce que je voulais absolument le faire dans l'après-midi. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez très bien le faire à la résine. C'est le même principe. Une couche de résine, on colle le premier. On attend que ça sèche. Une autre, on colle le deuxième. Une autre couche de résine, on attend que ça sèche, etc. Il y en a quatre à mettre. Ça vient de chez AliExpress. Le moule aussi vient de chez AliExpress. Voilà. Bon, il faut savoir quand même qu'entre chaque couche, il faut attendre au moins 24 heures. Donc c'est pour ça, là il aurait fallu le faire sur 4 jours. Moi je suis... Thank you.
Thank you.
alors là, ça fait 24 heures, un peu plus, que c'est sec. Donc, c'est sec, enfin, c'est dur, on peut le démouler. Mais ce sera vraiment catalysé à partir de 7 jours. Voilà. Il faut compter 7 jours à partir du moment où on le fait. Et du moment où on pourra s'en servir, il faut au moins 7 jours pour que la catalyse soit totale. Qu'est-ce qu'on entend par catalyse? La catalyse, en fait, c'est quand on mélange le A et le B, en fait, il va se produire un effet chimique, voilà, qui va faire durcir la résine. Le A, c'est la résine, et le B, c'est le durcisseur. Et donc, en fait, pendant 7 jours, la résine va travailler, elle va durcir, elle va se catalyser. Voilà, c'est ce qui... En fait, le durcissement, ça s'appelle la catalyse pour ce qui est des résines. Du coup, vraiment, ne pas s'en servir avant au moins 7 jours qu'elle est complètement séchée. Ensuite, pour le résultat, alors moi, j'en suis ravie. Le seul truc... je vous déconseille du coup de la travailler en une fois comme j'ai fait par manque de temps, voilà. Moi, je vous conseille de couler une fine couche de résine, de venir mettre des petits cailloux, les petites feuilles. Et quand la première couche a séché, de venir coller le premier sticker du poisson. Donc, je vous rappelle que c'est des poissons comme ceci, voilà, et qu'on colle couche par couche chaque autocollant. Donc, il vous faut 4 couches. 4 couches, moi, je l'ai fait à la résine UV pour aller plus vite, vous l'avez dans le tuto, mais je vous le déconseille, parce que du coup, je suis déçue du résultat, je vous montre. Alors, on va peut-être allumer la lumière, je ne sais pas. Si vous allez le voir, est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas. En fait, on voit le carré de résine comme ça. Ça se voit, ça se voit. Donc moi, je suis très déçue du fait que ça se voie. Donc ça, c'est le premier point important que je voulais vous dire. Donc on met une couche de résine. Mais on le refera, parce que j'ai plein de projets, donc on va le refaire ensemble. Une couche de résine transparente. On y met les petits cailloux. On met un petit peu les feuilles, parce que la feuille, c'est pareil. Et pourtant, j'y ai passé un moment à appuyer tant que je pouvais. C'est remonté quand même, donc ça me fait une petite bosse ici. Donc moi, je vais venir recouvrir de résine transparente une couche pour combler le... La petite bosse, là, je sais pas si vous la voyez, voilà. Mais bon, après, là, moi, je cherche les petits détails, puisque je vous rappelle que celle-là, elle était pour vendre. Du coup, bon, celle-là, je pense que je la mettrai au mobilhome ou même chez moi. Je sais pas si vous voyez, là, les démarcations de la résine, vu ce que ça a fait. Du coup, celle-là, je la vendrai pas, à moins que quelqu'un veuille l'acheter, mais bon, voilà. Mais voilà. Donc, une couche. On met les petits cailloux et les petites feuilles. On laisse sécher. Donc, bien, je pense que c'est 24 heures, hein, pas avant. On vient coller le premier sticker de poisson. Et puis, on continue. Une petite couche. On laisse sécher le lendemain. Pareil, on vient coller le deuxième. On remet une couche. On laisse sécher. On remet le troisième sticker, une couche, voilà. Bien appuyé aussi sur les stickers. Là, j'ai pas pu le faire puisque c'était de la résine UV, que c'est encore gluant. Mais appuyez bien avec un chiffon microfibre ou pour que le sticker se colle bien pour éviter ce genre de truc. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est le dessous, mais bon, quand même. Et moi, ça me dérange parce que ça se voit beaucoup là, les démarcation. Donc ça, voilà, vaut mieux le travailler, même s'il nous faut une semaine pour la couler complètement, mais au moins le résultat sera beaucoup mieux.
Donc, on refera un tuto, il n'y a pas de problème. Bon, ce ne sera pas avant la rentrée, septembre-octobre, au moins, je pense. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que j'ai fait le tour. Après, je suis enchantée du résultat. Bien entendu, là, ça, je vais le poncer, hein, parce que j'en ai mis un peu partout. Voilà. Moi, à part tout ce que je vous ai dit, mais ça, c'est de ma faute. Hein. Cette résine, je la valide. Donc, vous la trouvez sur le site Résine Pro. C'est de la résine pour, qui est certifiée pour contact alimentaire. Donc, voilà. Moi, j'adore. Voilà. Les poissons, les stickers viennent de AliExpress. Par contre, je n'ai plus le lien. Je les ai achetés il y a un petit moment. Parce que ça fait un petit moment quand même que les idées de résine me traversent l'esprit. Donc, j'ai acheté petit à petit tout au long de l'année. Voilà. Et j'ai attendu de pouvoir vraiment me lancer, d'avoir tout. Parce que moi, j'aime bien avoir beaucoup de choses pour commencer. Mais ça, c'est moi. Sachant que j'avais quand même beaucoup de matériel d'il y a au moins 10 ans quand je faisais des bijoux en résine. Là, j'avais envie de me lancer dans de la décoration en résine. Voilà. Mais il y a des bijoux aussi qui arrivent. Il y a plein d'idées. Donc, voilà. Donc, si vous voulez le reproduire, surtout faites couche par couche. Ou si vous voulez attendre que je le fasse en tuto. Mais ce ne sera pas de suite, hein. Ce ne sera pas avant au moins fin septembre, octobre. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, couche par couche, voilà, pour éviter ce genre de problème, puisque là même, les feuilles sont remontées. Voilà. Et surtout par rapport aux poissons, parce que vous ne le voyez peut-être pas, vous, en vidéo. Mais moi, je ne vois que ça. Ça ne dérange pas, hein. Ça se voit... C'est transparent quand même, mais on voit bien le carré. Voilà, ça, on le voit bien. Et moi, ça me dérange. Donc, voilà. Je suis très, très pénible pour ça. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis quand même très contente du résultat. C'est ce que je voulais, à part les détails. Hein, mais voilà. Donc, je vous dis... À bientôt, on le refera en tuto, mais alors on le fera, on prendra le temps qu'il faudra pour le faire. Et puis j'espère que ça vous donnera des idées. Prochainement aussi, dans la même foulée, dans le même thème, je ferai avec ce bac, fait ce genre de plateau. Moi, je le ferai en vide poche que j'ai trouvé chez Action. J'ai craqué dessus, donc ça. Je le ferai dans ce thème-là, mais pas avec, avec de la résine normale, hein, époxy normale, de chez Résine Pro, mais normale. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pensez bien, oubliez la partie où j'ai fait avec le poisson. Je pourrais très bien l'enlever de la vidéo, mais je me dis que je vais vous la laisser comme ça. Vous verrez les erreurs à ne pas faire. Et parce que le but de mes vidéos, c'est vraiment de partager avec vous ce qui est bien et pas bien. Comment moi je fais, comment je me trompe aussi. Voilà, et je vous dis, il faut vraiment prendre son temps pour faire ça. Sinon, vous serez un peu déçus comme moi. Bon, après, le résultat, enfin, moi j'adore. Hein. Vraiment, voilà. Il y a là juste une petite couche en plus pour combler un peu ici, mais bon. Après, moi, je trouve le résultat quand même très, très joli. Voilà, c'est vraiment que les démarcations. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Par contre, si je ne réponds pas de suite, vous inquiétez pas. Je vais bientôt partir en vacances, donc je n'ai pas de réseau là-bas. Je ne répondrai pas, ce sera vraiment des vacances. Donc voilà, pareil pour les mails, hein, si je réponds pas de suite, n'hésitez pas à envoyer des messages. C'est que je n'ai pas eu le mail ou alors c'est que je suis en vacances. Donc voilà. Écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bye bye.